Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo XM Studio en compagnie d'un quatrième Sinister Six. On va voir aujourd'hui le personnage de Sandman. Alors, c'est une statue, une des plus vieilles statues qui est proposée XM Studio. Je me demande si de mémoire, c'est pas la deuxième qui a sorti XM Studio. Alors, je me souviens en 2017, quand la marque est plus ou moins apparue en Europe, et que mon ami Julien, The Prop Maker, s'était intéressé vraiment au tout début de la marque. Je me souviens d'une première pièce qui était arrivée entre ses mains, c'était le Daredevil, alors une pièce qu'on verra très certainement d'ailleurs en review ultérieurement. Et la seconde statue qu'il avait eue, il me semble que c'était ce Sandman. Alors j'hésite avec Kraven, peut-être que Kraven est sorti encore antérieurement, mais dans tous les cas de figure, on est vraiment sur une ancienne pièce d'XM Studio, une de leurs premières. Alors, XM Studio à l'époque, je vous avais parlé dans la vidéo précédente de l'électro, du fait qu'il scannait les QR codes. Précédemment, on avait du coup les notices qui étaient quand même vraiment très agréables et que moi je préférais. Et encore avant, on avait juste le plan du coup des présences des pièces dans la boîte et ça en format papier mais sans montage. Voilà. Donc du coup, ça permet un petit peu de cartographier historiquement les pièces d'XM lorsqu'on voit ce genre de schéma. Et là, on a vraiment les toutes premières pièces d'XM lorsqu'on a uniquement du coup voilà le contenu de la boîte. Autre chose pour le packaging, alors qui n'est pas forcément très utile, mais que je vous énumère en même temps, c'est qu'on a des toutes petites sangles. C'est vrai que les sangles XM, maintenant, elles sont comme ça de large, donc très robustes et très pratiques pour sortir le produit de la boîte. Là, on a des sangles qui sont beaucoup plus petites, la moitié, je dirais, en largeur. Du coup, bon, ça fait un peu plus mal aux mains et on a une impression de solidité qui est moindre. Donc bon, on peut voir, et du coup j'ai vu en remontant un peu le temps avec cette pièce, que les packagings d'XM Studio ont quand même évolué au fur et à mesure du temps, très certainement en fonction des retours des clients, et c'est ma foi fort appréciable parce qu'on voit qu'ils sont du coup à l'écoute de leur public. Alors sur cette pièce qui a du coup maintenant 6 ans, j'ai constaté aucun problème d'emboîtement. Et on peut voir du coup que dès le début, XM était vraiment présent et très méticuleux sur le soin auquel ils apportaient à leurs pièces. Et ça, c'est encore une fois très appréciable de la part de ce fabricant. On a voilà des aimants du coup au niveau de la barrette de signalisation qui est sur l'arrière qui matche parfaitement. On a plein de pièces qui vont venir s'emboîter. Alors que ça soit Marco, que ça soit le pilier, que ça soit la tornade de sable, d'ailleurs une tornade qui me rappelle beaucoup les statues de Gaara qu'on a pu voir ensemble dans l'univers Naruto, puisqu'on a vraiment le même genre de traitement effet sable et voilà, et même la spirale, ça fait beaucoup penser à la Ryu Studio, voilà, ou même les parties des bras du coup dans la statue, tout s'emboîte à merveille et il y a du coup aucun problème. Il y a que la jonction qui est un peu présente sur cette partie, mais bon, malgré tout, ça s'emboîte vraiment à la perfection et ça, c'est quand même vraiment très très chouette. Alors, cette pièce XM Studio, je serais complètement incapable de vous dire combien elle coûtait à l'époque. S'il y en a encore une fois qui se souviennent du prix avec exactitude, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. De mémoire, je crois que c'était 750-800 euros, donc grosso modo 50% de plus que les sideshows de l'époque, puisqu'on était aux alentours de 500 livrets. Là, je crois qu'on était dans ces eaux-là. Là, c'est une pièce que j'ai acquise du coup pour 600 euros, donc quand même, bon, un petit prix, je trouve. J'ai hésité à la mettre dans les soldes XM, mais en fait, c'est une pièce qui valait peu d'origine, me semble-t-il. C'est une pièce qui n'a jamais coté et qu'on a toujours plus ou moins dégoté à ce prix-là. Et alors, bon, je ne parle même pas des prix en Malaisie. En Malaisie, je me souviens, alors c'est une statue qui est très lourde. On est sur... Ah ouais, on est sur 29,8 kg. 30 kg, il fait ce Sandman. J'aurais pas dit autant, pour le coup j'aurais dit 22, 24, 30 kilos quand même, le bestiaux est vraiment pas léger. Voilà, en Malaisie, j'ai un ami qui me l'avait proposé il y a cet été, je crois, 6 mois, un truc du style. C'était 350$ pour la statue. Mais bon, 30 kilos à faire venir de Malaisie, on est du coup plus cher que ça, quoi. Donc là, j'ai du coup acheté une fois de plus à Lucie. Merci beaucoup une nouvelle fois si elle regarde la vidéo. Pour 600 euros, donc un prix vraiment très très correct pour le coup. Et avec quelques dizaines d'euros d'envoi en TNT. Je crois que c'était 28 euros, je crois, de mémoire, j'ai payé pour l'étiquette TNT. Donc voilà, vraiment un prix ridicule. De toute façon, quand c'est en dessous de 30 kilos et que c'est en France, vraiment avec TNT, c'est 25-30 balles. 24 heures, ultra méticuleux, le livreur méga sympa.
enfin, vraiment TNT, je recommande à mort si vous avez des, voilà, des statues qui dépassent pas les 30 kg, donc pas des très très grosses Primon Studio ou du Queen ou de l'Elite Creature. Voilà, des dimensions classiques de statues voilà, qui dépassent pas 30 kg, foncez sur TNT, ils sont vraiment géniaux, moi je les adore. Voilà, juste eu un petit couac avec eux ou... Ou un client m'a arnaqué à Noël, il a déclaré qu'il n'avait pas eu la statue, il a eu gain de cause et j'ai paumé 1500 balles dans l'histoire. Mais voilà, ceci dit, hormis ce petit écart, jamais aucun problème de la part de TNT. Et d'ailleurs, TNT m'a quand même indemnisé au kilo. Mais bon, on était bien sûr très loin de ce montant, malheureusement pour moi. Voilà, bon bref, petit aparté. Alors, donc pour revenir sur ce Sandman, il n'a jamais été cher. Alors, bien évidemment qu'on est sur un personnage extrêmement secondaire. Parce qu'on est dans l'univers Spider-Man, on est sur du Sinister Six, et Sandman, bon, c'est pas un perso que les gens aiment beaucoup, même s'il a été présent dans le troisième film de Sam Raimi, bon, c'est quand même un personnage qui est très méconnu. Il vient, je ne sais même plus, dans la série animée, un épisode, deux épisodes, je crois, et dans les comics, bon, on le voit quand même pas tous les jours, Sandman. En plus, son pouvoir, ben, contrairement voilà, à des persos comme Electro, à je sais pas, Lézard, qui c'est que les gens aiment bien, enfin d'autres persos, bon lui il a pas vraiment la cote, Venom, Carnage, donc du coup bon bien évidemment voilà c'est un perso qui a pas forcément coté, et je pense que hormis les gens qui font vraiment le full set des Sinister Six, c'est une statue qui va être plus revendue ou boudée que achetée. La preuve, en Malaisie on en trouve encore des neuves scellées jamais exposées. Alors, petit bémol quand même sur le tirage de ce Sandman. Je vérifie sur la boîte pendant que je vous parle. Ouais, on avait 700 exemplaires. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup. Parce que sur des personnages quand même bien bien classe comme le Lézard ou Electro, on avait 500. Voilà. Alors, Sandman, franchement, il est très très beau. C'est vraiment une très belle pièce. Quand même beaucoup d'envergure. L'effet sable est très bien rendu. Une pièce de 30 kg, donc bon, pour le prix, il n'y a pas photo, mais c'est sûr que 700 exemplaires, ben, c'est clairement ce qui va venir ruiner la cote de ce perso. Je pense qu'on aura un tirage de 300, ça serait top, 400, pourquoi pas. Voilà, on maintiendrait une certaine cote sur le produit de par le phénomène de rareté, mais là, on n'a clairement pas 700, c'est quasiment deux fois trop pour ce tirage. Gros gros blème là de la part d'XM. Alors peut-être qu'ils voyaient gros, donc au début comme ils ont démarré et tout, ils se sont dit c'est bon, Sideshow ils font 2000 exemplaires, on peut en faire au moins le tiers. Je ne sais pas, mais on voit qu'ils ont raffiné par la suite. Et si je dis pas de bêtises, le Scorpion, dont je me souviens même pas l'avoir vu en lancement, lui c'était 200 je crois le tirage. Donc bon, c'est ce qui explique très certainement sa cote, parce que comme toujours, je vous l'explique depuis 5 ans dans mes vidéos, il y a bien sûr une très grande corrélation entre le tirage et le prix sur le second marché d'une pièce. Aussi réussie soit-elle, c'est sûr et certain que quand on a 200 exemplaires, on a une cote doublée par rapport à quand on en a 500 ou 700 comme ici. Donc là, on a un personnage pas forcément qui plaît beaucoup avec trop grosse limitation. Du coup, on a un prix vraiment qui stagne, voire vraiment qui est cassé. Parce que je crois avoir eu à l'époque où je regardais pas déjà vu des Sandman encore moins chers que ce que je l'ai payé. Je crois à 450, 500 euros, j'en ai déjà eu en Europe. Après, voilà. Après, bon, là j'essaie vraiment de boucler mes sinistères. J'essaie d'avoir les statues quand même relativement avec un laps de temps. Je ne vais pas mettre 5 ans pour finir ma pièce Marvel. J'aimerais vraiment, là, dans l'année, essayer de tout boucler. Alors, bon, il y a des pièces qui me manquent en last level qui sont très, très compliquées à avoir, surtout à des tarifs sans péter un câble. Mais voilà, pour les XM, j'essaie de les saisir quand je les vois passer. Et je, bon, pas pour gagner 100 balles, attendre 2 ans supplémentaires, parce qu'on ne le voit quand même pas tous les jours, notre ami Sandman, même s'il a été trop tiré. Voilà, donc en termes de composition, qu'est-ce qu'on a? On a du coup ce gros gros socle avec un effet tourbillon qui revient devant. Ça, c'est une très bonne idée pour les personnages sable. C'est vraiment ce que nous avait proposé Ryu Studio sur le Gaara, et c'est pour moi la bonne idée. On a une main qui lance du coup le pouvoir, donc bras humain ou bras effet sable. Alors bon, pour moi, il n'y a clairement pas photo, je vois même pas d'intérêt d'avoir le bras humain. Alors bon, XM nous l'a rajouté comme d'hab, donc il y est, tant mieux, sinon il y en aurait qui auraient dit, c'est dommage qu'il n'y soit pas. Mais franchement, la main sable, elle fait le quintuple de taille de la main humaine, et on a cet effet sable qui vient trancher et renforcer vraiment l'effet du personnage de base. Donc pour moi, c'est clair et net qu'il faut mettre celle-ci. Idem du coup pour la main arrière.
où on a ce magnifique pic en effet voilà, sable pour écraser du coup Speedy. Et on a un bras, encore une fois, qui fait 5 ou 6 fois la taille du bras humain. Donc je vois zéro intérêt personnellement, hormis pour trancher un peu, pour faire le côté peau-sable, de venir mettre le bras humain. Pour moi, il n'y en a pas. Après, ils reprennent du coup les poteaux métalliques qu'on avait déjà vus là pour le coup sur d'autres statues XM Studio. Bon, avec voilà, les effets poutres qui sortent du béton. C'est pas fantasmagorique, mais c'est sympa. La petite barrière de sécurité à l'arrière, elle est quand même relativement chouette elle aussi. Donc bon, c'est pas une mauvaise chose de les avoir mises. Et ensuite, on a du coup la tête de Marco, effet sable ou effet. Alors elle est très jolie. Pour le coup, là, je me suis un peu tâté. Effet humain, parce que on reconnaît vraiment très très bien le personnage. On a les dents d'XM Studio comme d'habitude qui sont magnifiques, un très beau regard. Je trouve vraiment l'expression qu'ils lui ont donnée, elle match à 1000% avec le personnage dans la série animée. Mais malgré tout, voilà, c'est Sandman, donc j'ai vraiment voulu garder cet effet sable. J'ai déjà plein de personnages, visages et bras humains, bien sûr, dans ma collection. Donc là, je voulais vraiment quelque chose qui change. Et c'est pour ça que j'ai mis toutes les parties sable, que ce soit les bras ou du coup le visage. Mais bon, ça peut être sympa. Alors, encore une fois, l'expo bras humains, je n'en vois pas l'intérêt. Mais par contre, de mettre les bras ensablés avec la tête humaine, ça rajoute du contraste. Bon, moi j'ai choisi le contraste par rapport aux autres statues, mais si vous avez moins de pièces, cette tête humaine, elle a quand même pour moi une pertinence. Voilà. Allez, on va du coup zoomer ce Sandman et on verra du coup voilà, sa place juste après. À tout de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom de notre Sandman. Bon, c'est extrêmement simple. On a bien sûr la tornade de sable sur la base. On a sur l'arrière. Voilà, ce bar de travaux. Et ensuite, du coup, on attaque le personnage avec une très très belle et nette peinture d'XM Studio qui vient du coup se fondre, vous voyez là, avec le sable. Donc, ça fait un très beau rendu. La tête en sablé, l'expression de Marco. Pour le coup, vraiment très belle, avec les yeux un peu blancs qui ressortent. Et ensuite, bah, cet effet du coup texturé des bras et du sable sur l'intégralité du coup de la pièce. Ça fait quand même vraiment sympa. Voilà, après c'est une statue, bon, qui est quand même très très simple. Et sur laquelle il y a très peu de détails, mais comme toujours sur XM Studio, simple mais efficace. Petit zoom rapide sur la tête du coup humaine, avec des très belles dents, un très beau regard. Qui peut être vraiment sympa pour l'expo. Allez, on va du coup conclure sur cette pièce. Ben, franchement, c'est une très jolie statue. Il me tardait d'arriver à mettre la main dessus, pas trop trop cher. C'est comme voilà, c'est comme Kraven. C'est des personnages qui sont au mystérieux. C'est des persos qu'on voit quand même relativement souvent en vente, mais qui sont souvent plus vers les 800 $, 800 € que vers 600. Et en plus, souvent dans des pays européens limitrophes, quand même rarement en France. Auquel il faut ajouter du coup quand même, parce que 30 kilos c'est quand même des jolis bébés. Le carton est tout petit, franchement on est sur un carton, une grosse Sideshow quoi, une toute petite Prime One. Surtout Electro il était vraiment petit, là il est un peu plus gros le carton de Sandman parce qu'il y a deux étages avec la base et le gros tourbillon. Mais bon, voilà, c'est pas des mesures de dingue, c'est 76, 65, 43 le carton. Bon, donc voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de classique. Mais voilà, quand même 30 kilos. Et quand ça vient d'un autre pays, on est très rapidement à 100, 100, 130 euros de livraison. Donc du coup, bon, mine de crayon, vu qu'il faut payer les deux, 800 plus 100, 150, on est quand même à 900, 950. Alors que là, du coup, on était à 600, 630 euros, un truc comme ça avec la livraison. Donc bon. Quand même 30% de moins, donc ça fait toujours plaisir de trouver en France. Voilà, donc cette pièce, bah, écoutez, elle est quand même extrêmement dynamique. Moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, de là à là, ça donne quand même vraiment un bon 50-60 cm, je pense, d'envergure.
C'est extrêmement dynamique. Franchement, la main qui fonce avec le tourbillon, ça donne une gueule de fou. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, une statue. Alors, une statue qui peut se voir de face parce que vraiment l'effet est paf, impactant. Mais aussi de profil, parce que de profil, bien sûr, ben, on a du coup toute la dimension de la statue. Autre détail qui est assez sympa, qu'ils aient collé du coup du sable sur le personnage en lui-même. C'est assez. Voilà, ça vient encore un petit peu trancher l'effet, c'est assez chouette. Ils auraient peut-être même pu en rajouter sur le pylône, mais bon, encore une fois, on est sur une des premières pièces d'XM Studio, et hormis la grosse démarcation qui est là, qui n'est pas très jolie, le reste, ils ont quand même vraiment, vraiment assuré dès le départ et mis toute leur chance de leur côté. Voilà, donc bon. Voilà, c'est une statue. Après, bien évidemment, là, bon, c'est pas du one shot ou c'est pas une statue où on va avoir 2-3 pièces Spider, on va prendre lui. Bien sûr que ça va être du Carnage, ça va être du Venom, ça va être de l'Electro, ça va être du Scorpion. Donc, mais bon, pour ceux qui veulent faire un très beau set Spider, franchement, c'est une pièce que je peux recommander. Elle est vraiment, vraiment jolie. Et encore une fois, le rapport prix-poids. Rendu est très très bon parce que bien évidemment que 600 euros maintenant on a une sideshow. Alors là bon, c'est directement deux commentaires d'avance sur ma vidéo, je le sais, mais je ne dirai pas par qui, je vous laisse deviner, mais voilà, mais bien évidemment que là on est sur le prix d'une sideshow neuve et encore de taille moindre. Par exemple, hier je sais que j'ai proposé en économisé et partagé la préco du pingouin sideshow et je crois qu'on était à 750 euros, si je dis pas de bêtises. Alors, il est très beau et en plus, j'ai vu ah, pas cher et tout pour ce que c'est. Mais bon, encore une fois, on verra le rendu. Mais en termes de taille et de poids, pour moi, 750 euros Sideshow, 600 euros XM Studio, on n'est quand même pas du tout sur la même gamme de produits. Même si je sais que certains ne sont pas d'accord avec cela. Voilà. Donc bon, très bon rapport qualité-prix. Après, c'est vraiment le personnage en lui-même qui va intéresser peu de monde. Et ça explique en partie sa cote avec le gros tirage. Voilà. Allez, ben on se retrouve bien évidemment dans les vidéos suivantes pour de nouveaux économisés et partagés. Pour de l'XM Studio, pour du Sinister Six, la suite, et pour les soldes XM Studio. À bientôt.